Aujourd'hui, au Nigeria, dans l'état de Kaduna, au nord du pays, les parents d'élèves kidnappés dans un pensionnat se sont réunis pour prier leurs enfants. Certains parents ont mis des chaussures appartenant aux enfants dans la cour de l'école, tandis qu'un pasteur dirigeait les prières. Un groupe d'hommes armés a pris d'assaut l'école lundi matin et a demandé des rançons. On ne sait pas combien de personnes ils ont emmenées, mais un parent a déclaré qu'environ 180 élèves étaient inscrits à l'école et selon la police, un enseignant et 26 élèves ont été libérés. Le Nigeria a connu un nombre croissant d'enlèvements massifs d'étudiants en ces dernières années. L'incident de lundi est le septième de cette année dans le pays.